En partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance. Salut à tous et bienvenue ici au pied de la citadelle de Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence pour cette troisième épreuve des Fit Days, une épreuve qui promet plein de suspense avec un très beau plateau et on attend la bagarre forcément entre les leaders et les équipes. Ce sera un relais pour cette étape un peu particulière. On attend la bagarre entre Saint-Raphaël, l'équipe russe également, Montpellier, les Anglais, ils sont tous là. Et tout de suite, bien, on va écouter l'entraîneur de cette équipe de Loupsol Saint-Raphaël, Morgan Tenacre. Bon, aujourd'hui, la stratégie, je pense qu'elle est simple et définie, ça va aller très vite. L'ordre de départ, ça va être Julie, tu vas partir en premier. L'idée, c'est que tu sois de suite au contact de tout le monde pour essayer d'accroître ton avance au classement général. Donc tu vas avoir un bon groupe avec toi. On va essayer de monter un petit peu cette avance et conforter ton avance au général après cette étape. Mathilde, on va profiter de tes qualités vélo là, pour essayer vraiment de gagner un maximum de temps et augmenter ton avance aussi sur ta deuxième place. Hein, c'est vraiment l'idée. Tu vas te retrouver, je pense, un petit peu seul, mais justement, tu vas pouvoir bien t'expliquer sur la partie vélo. Dylan, après, premier garçon, troisième relais. Là pour le coup, hein, tout le monde compte, hein, donc Dylan vraiment du début à la fin, là il n'y a pas de rôle de coéquipier, c'est vraiment à fond de A à Z. Aurel, avant-dernier relayeur, bon je pense que par ton expérience ça va le faire et je pense que tu sais ce qu'on a à faire, hein, je crois que toutes les secondes vont compter. Et Thomas, ben, pareil, hein, dernier relayeur, je crois que jusqu'à cette étape-là, tu as su montrer que tu étais vraiment bien sur ce type de distance. Donc on va essayer de continuer à accroître ton avance et essayer de garder ces précieuses secondes qu'on a d'avance. Allez, bonne course à tous. Et on rappelle le principe, hein, d'un relais, c'est l'équipe qui remporte l'étape, mais en revanche, les temps individuels de chaque triathlète sont conservés pour son classement personnel. Il y a assez peu d'écart encore pour le moment en début de classement, surtout côté garçon, c'est un petit peu plus tranquille pour les premières féminines. On va justement en écouter une, c'est Aurélie Gaudiard. Bah ouais, l'objectif c'est d'essayer de récupérer cette quatrième place, l'équipe anglaise n'est pas loin. Hier j'ai pas mal comblé de temps sur le retard que j'avais accumulé, donc l'effort est à faire aujourd'hui et demain sur une course en drafting qui va plutôt m'avantager avec un parcours assez difficile à vélo. L'objectif premier est vraiment de gagner par équipe et après moi de conforter mon maillot leader, ce qui va pas être évident parce que vu le parcours et vu le format de la course, à mon avis, les Russes vont avoir un gros avantage. Et oui, Thomas André, leader donc. Pour 26 secondes sur le russe Denis Vasiliev, il y a les deux frangins, hein, Vasiliev, il y a Denis, mais il y a aussi Ivan, les voilà à l'écran et forcément et bien, ils vont tenter de reprendre ce maillot vert au leader. Le départ, on a pris les féminines d'entrée pour cette première nage, on rappelle la distance, 200 mètres de nage, alors même 200 mètres c'est court mais ça suffit pour faire la différence. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, on se retrouve déjà dans une partie, dans un lac artificiel. Donc déjà, on se rend compte qu'il n'y a pas de combinaison puisque la température de l'eau est relativement élevée. On est sur 24 degrés. Il n'y a pas de grosse profondeur dans ce lac-là. Donc on se rend compte que les athlètes plongent très tard, se relèvent très tôt dans la partie aquatique. Donc tout va compter. Effectivement, et là on les voit, hein, les quatre premières à sortir et ça commence par Drivetta, la Britannique qui va s'emparer de son vélo en premier dans le parc de transition. Elle est suivie de près par la Russe Chiuko. Elles vont sortir quasiment ensemble sur cette portion vélo. Elles sont poursuivies derrière par les deux Françaises, hein, qui suivent, à savoir Julie et Morgane. Oui, pas vraiment de surprise, hein, à la sortie de l'eau, Anna Drivet, qui est une grande habituée du circuit international sur Coupe d'Europe, Coupe du Monde, très grosse nageuse et rouleuse. Derrière, on retrouve la toute jeune russe, Maria Chupo, qui fait un très bon fit, qui est très régulière sur toutes les étapes.
Et puis derrière, nos deux Françaises, Morgane Branchoux, également une athlète toute jeune et qui reconnaît vraiment le triathlon et toutes ses épreuves dans tous ses états. Et Julie Nivois qui assure son maillot vert, qu'on a fait partir en première position, je pense, tout simplement pour assurer ce maillot-là et garder le plus d'avance possible. Alors la portion vélo, hein, c'est 6,5 km. On l'a vu, il y a des petites bosses petites. Bon, il y a quand même du 12% d'entrée sur 150 mètres. Il faut avoir les jambes solides. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a quand même un point important aussi, c'est qu'il faut mettre les chaussures rapidement. Parce qu'à la sortie du parc à vélo, on a à peu près 20-30 mètres de faux plat montant. Et puis après, on a cette fameuse bosse qui dure pendant 200-300 mètres. Et là, si on n'a pas les pieds dans les chaussures, ça devient très compliqué. Donc il faut vraiment être très lucide à la sortie du parc. On voit hein, les quatre filles ensemble. Chouko, Nivois, Driwit et Branchou qui pour le moment se suivent. On va faire le retour dans le parc à vélo ensemble à la queue leu leu et on va partir pour la course à pied. Une course à pied d'un kilomètre neuf de boucle pour un total d'un kilomètre neuf. Et là on va avoir les premières banderilles de la course qui vont être portées. On a vu hein, la Britannique tenter en vélo de défaire un peu ses concurrentes et puis ça n'a pas marché. Oui, tout à fait, c'était tout à fait dans son ordre de mission. On voit bien que là, dès le début de la course à pied, elle est déjà un petit peu décrochée. Donc si elle avait pu prendre ces fameuses 10-15 secondes d'avance à l'entame de la course à pied, c'est toujours ça de pris. Là, on se rend compte que les deux coureuses sur les quatre filles qui sont en train de partir se détachent progressivement. Morgane qui suit le train imposé par Julie Nivois et qui va certainement attendre son heure ou qui va rester au contact de Julie Nivois. Voilà, 1,9 km, ça va très vite. Donc il n'y a plus qu'à attendre tout doucement la fin de la boucle. En tout cas, elles sont parties les deux Françaises, Julie Nivois et Morgane Branchoux. Julie Nivois pour Loupsol Saint-Raphaël et Morgane Branchoux pour Grappy Montpellier. Morgane, c'est 14e au championnat de France triathlon en 2016. Hein. Quant à Julie, 9e au championnat de France triathlon 2015. Et derrière, Drouet un peu dans le dur. Elle a laissé beaucoup de force dans le vélo et elle va faire course avec Choukou, même si la Russe commence à déposer la Britannique là sur cette fin de parcours à pied alors que la deuxième vague de relayeurs est prête. Et là on va faire partir eh bien, les deux autres féminines, hein, deux féminines et trois garçons. Oui, chaque relais. Tout à fait, voilà, on voit Morgane Branchoux pour Montpellier qui passe le relais à Aurélie Gaillard, qui lui donne une certaine avance, hein, assez confortable sur ce deuxième relais. Et là le Saint-Raphaël Loupsol Triathlon qui part à la poursuite de Montpellier. On va dire qu'il n'y a pas beaucoup d'écart, mais tous peuvent se regrouper en natation pour à nouveau former, pourquoi pas, un petit groupe. Alors c'est le plan d'eau hein, de Sisteron, pas comme l'an passé, c'était l'Adurance, c'était beaucoup plus frais, c'était aussi beaucoup plus difficile musculairement pour les athlètes, là 24 degrés à peu près dans l'eau, ça va, on y rentre assez facilement. Oui, tout à fait, c'est vrai que la température là est très agréable, ils ont choisi de ne pas prendre la combinaison aussi, car c'est une vraiment très très courte distance, pour gagner du temps, à la transition notamment. C'est sûr que ça change de l'année dernière, où là on était vraiment 10 degrés de moins, donc là c'est différent et c'est quand même meilleur pour les organismes. La sortie de l'eau, hein, c'est Mathilde Gauthier qui est en tête, elle a distancé un peu ses poursuivantes, qui sortent quasiment toutes les trois ensemble, on voit la Russe là, Zizima, qui sort en quatrième position et qui va immédiatement accélérer énormément dans cette partie de transition, elle sort quatrième de l'eau, la Russe, on va rejoindre la tête de course dans le parc à vélo, on voit il y a quoi, allez, 7-8 secondes d'avance maximum hein, pour la triathlète du Loupsol Saint-Raphaël et derrière à 3, et là il se pose une question, c'est vrai que si on part toute seule devant, est-ce qu'on risque pas derrière de s'exposer une poursuite à 3? Mais c'est tout à fait ça, je pense aussi, c'est la réaction qu'a dû avoir aussi la Russe, hein, Zizina, puisqu'elle sort de l'eau quatrième, un petit peu décrochée. Elle fait l'effort de suite dans la transition pour rentrer, pour recoller un groupe. Et là, on va le voir, hein, elle est déjà en train de mettre ses affaires pour prendre son vélo. Donc c'est très important de se regrouper pour pouvoir ne pas rouler tout seul et pour pouvoir digérer plus facilement la partie cycliste. En tout cas, la Russe, quelle transition, probablement la plus rapide, hein, des quatre filles sur cette période de transition dans le parc à vélo. Elles vont sortir de la zone et là on l'a dit hein, ça commence direct par on peut le dire hein, c'est un coup de cul hein. Oui, tout à fait, là elles ont vraiment fait le petit demi-tour sur le parking et puis elles enchaînent tout sur la bosse. Là on voit Mathilde qui est déjà en position en héros sur la partie plate du parcours. Derrière on ne sait pas encore trop si c'est rentré. Bon effectivement là je pense qu'elle est toute seule.
Voilà, là on voit la fin de la côte hein, qui est vraiment pas facile. Elles sont quand même toutes les trois, donc je pense que sur la partie plate, là où est actuellement Mathilde, ça sera plus facile pour s'organiser et pourquoi pas tenter un retour sur Mathilde. On la sentait forte à la Russe, hein. D'ailleurs elle prend ses responsabilités dans le raid poursuivant et là forcément on a le visuel sur la fille de tête. On sait qu'elle est pas loin, c'est assez technique, hein. Il y a des petits parcours, c'est assez glissant, il y a une petite averse entre temps aussi, c'est dangereux. Tout à fait, c'est vrai que le parcours est technique, il y a beaucoup de relances et je pense aussi que le fait d'être seul c'est pas plus mal parce que sur une distance aussi courte, l'organisme n'est pas forcément poussé dans ses retranchements puisque c'est pas très très long. Et le fait d'être seul, on peut aborder les courbes différemment, on n'est pas forcément gêné par les vélos qui sont devant ou derrière, donc c'est parfois pas plus mal. Et 25 secondes d'avance pour Mathilde Gauthier à la sortie du parc à vélo dans la transition et derrière c'est Zizine hein, qui part direct en chasse, elle est partie très vite, on voit la Britannique ensuite et Goliard derrière en quatrième position et là maintenant c'est 1,9 km à gérer le long de la Durance, c'est plat mais il y a énormément de visibilité pour les poursuivantes, on peut facilement calquer la course sur la fille de tête. Goliard qui peut aussi tout à fait refaire son effort en course à pied puisqu'elle est quand même une très très bonne coureuse, elle monte en puissance au fur et à mesure du triathlon, très bonne cycliste, très très bonne coureuse, donc je pense qu'elle peut aussi faire son retard sur la Russe et pourquoi pas Mathilde Gauthier. Mathilde Gauthier toujours en tête et vous voyez ça fond comme neige au soleil, cette avance avec Zizina la Russe qui revient, les longues jambes de la Russe qui vont avoir raison de la Française, elle passe même devant, ça met un petit coup au moral et même si c'est la fin de ce parcours de course à pied et les relayeurs, le sprint quand même pour donner le top départ aux garçons en même temps. Quel suspense ici sur le plan d'eau de Sisteron, voilà. Là pour le coup c'est vrai qu'ils sortent à deux de l'eau, on voit Montpellier qui est un petit peu décroché, donc là ça va certainement, ils vont je pense coopérer, hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de à faire, tout simplement parce qu'on l'a dit, hein, même si c'est court à vélo, c'est toujours mieux de répartir les forces à deux plutôt que tout seul, donc on voit voilà le jeune de Montpellier qui est pas très loin derrière, et puis Beau Smith, l'anglais de l'équipe de Leeds, qui est pas non plus très loin, donc ça peut se réorganiser derrière, pourquoi pas. Mathieu Muller effectivement sortir pour Montpellier. Et Zolov, le Russe, dans le parc à vélo. Et c'est lui hein, qui est chargé ensuite de lancer sur orbite les deux frères Vasiliev. Il a un rôle important. Et derrière, il ne faut surtout pas le lâcher. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi s'emploie Magnin. Je vois que les deux équipes qui vont se jouer, je pense, la gagne aujourd'hui, ont adopté la même stratégie. Puisqu'ils ont mis leur maillon faible en premier relayeur garçon. Ils ont gardé les deux plus forts pour la fin. Donc pour l'instant, c'est en train de s'organiser. Le jeune Muller qui derrière fait l'effort dans la bosse pour pourquoi pas essayer de rentrer. Ouais, c'est dur, hein. C'est la chasse patate derrière Dylan Magnin et Solov pour Muller. Alors on voit la position du Russe. On demande à prendre des relais. Ça se regarde un petit peu, on ne sait pas trop. Tu dois rouler, c'est toujours délicat dans ces situations. On pense aussi toujours à la course à pied. Est-ce qu'il va être meilleur que moi? Est-ce que je ne vais pas trop en laisser? Est-ce que je ne travaille pas trop pour lutter pour son équipe? C'est toujours difficile. Donc là, ça se regarde beaucoup. C'est vrai qu'on ne sait pas trop quoi faire. Mais du coup, derrière, ça profite à Muller qui va, à mon avis, je pense, pas longtemps, va voir les deux trifonctions et qui va pouvoir avoir en point de mire ces deux athlètes. Le masque, ça serre les dents, mais il y va. Il se pose absolument aucune question. En effet, Mathieu Muller. Pour revenir sur les deux hommes de tête, et bien voilà, la jonction est faite. On s'est un peu trop regardé devant. Derrière, on n'a pas réfléchi, on a roulé. Alors maintenant, par contre, il faut faire la jonction hein, parce qu'il y a quelques mètres, mais quelques mètres, c'est parfois les plus durs. Ça y est, ils sont trois. Et ça regarde encore derrière. Je pense que maintenant, il faut plus regarder puisqu'il n'y a plus personne. Hein. Ça va se faire à trois, ce vélo-là. On va pas tarder à voir arriver la partie de course à pied. Britanniques ont l'air d'avoir un peu décroché. Hein. Le relais de Spears tout à l'heure a été difficile en course à pied. Et, aussi bon nageur que soit Beau Smith, il n'a pas réussi à faire la jonction à vélo. Ce sera maintenant très dur hein, pour les Anglais. On va voir hein, s'ils rentrent dans la zone de transition. Mais là, ça commence à être long, surtout qu'ils sont trois devant. Petit problème de déséquipement. On n'avait pas des scratchés à temps pour Isolov, mais ça va quand même partir quasiment mal. On voit tout l'intérêt d'une transition vraiment bien réussie parce que c'est quelques secondes qu'on peut perdre à la course à pied qui peut être très importante à ce moment-là de la course. Oula,
longue foulée. Ouh, la longue foulée, il est parti. Il est parti, Magnin. Il a mis tout le monde d'accord derrière Dylan Magnin. Quel numéro il fait là devant pour sa pièce. Est-ce qu'il n'est pas parti un peu vite? En tout cas, derrière, ça n'a pas suivi. Sur un parcours aussi court, je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. Il a eu raison, je connais bien cet athlète, je sais qu'il a d'énormes qualités, notamment sur des parcours un petit peu mi-chemin, mi-route. Ça lui convient, ça monte, ça vire, ça tourne. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est très fort musculairement, donc je pense que ça peut lui convenir. Et sur 1,9 km, on n'a pas le temps de penser à ce que ce soit dur. Müller et Solov, coude à coude, derrière, à la poursuite. Et Magnin, pour le moment, seul devant. Ouais, on l'aperçoit, hein. On l'aperçoit quand même, il y a quoi, il y a 12 secondes hein, au grand maximum. Il n'y a vraiment pas grand chose, les écarts ont du mal à se creuser, mais on sent vraiment que Dylan pousse la machine au maximum. Et là on voit que Müller voilà, attaque, il part, il veut gagner ses précieuses secondes, il veut rentrer dans le parc, donner le relais à son coéquipier avec un petit 5-10 secondes d'avance qui permettra d'être plus à la chambre. On a vu le rossier, les dents dures, et là on se retourne un petit peu, on regarde derrière, le voilà, Müller qui a tenté de effectivement partir à la poursuite de Dylan Magnin. Il va aller grappiller quelques secondes pour le prochain relayeur. Alors voilà, le classement par équipe après 3 relais, Loupsol en tête, vous l'avez vu. Là c'est Aurélien Lebrun. Aurélien Lebrun qui vient de partir, donc le deuxième relayeur garçon, qui a encore une petite avance sur le russe. Hein. On connaît très bon nageur. Là c'est Ivan Vassiliev qu'on voit sortir de l'eau, l'un des deux frères, le plus vieux des deux frères, qui est très très bon nageur, mais qui a quand même réussi à résister à son retour. Allez voilà, les hommes forts côté russe, les frères Vassiliev. La sortie à vélo, une fois de plus. Alors là, que faire? Forcer tout seul un vélo, le laisser revenir, c'est pas facile. C'est pas facile. Ben, on voit que voilà, hein, il a pas fait l'effort de continuer tout seul. Tout le monde est rentré. Voilà, là on voit Aurélien dans la bosse. On le voit voilà, en position aéro. Là, c'est vrai qu'on se pose pas trop de questions. À l'inverse du relais d'avant, là, on commence à arriver à la fin du du relais. On s'économise plus, on met tout ce qu'on a. C'est un athlète qui a beaucoup d'expérience, donc je pense qu'il connaît les longues distances aussi. Donc de faire une épreuve comme ça de 20-25 minutes, il peut vraiment tout mettre. Et là on voit justement que ça revient derrière. Et ça revient effectivement avec Ivan Vassiliev et Orso. Arthur Orso, le français, les deux hommes à la poursuite de celui-ci. Le capitaine de cette équipe de Saint-Raphaël. On voit qu'ils les ont en point de mire. Hein. Là, voilà, Aurélien est en bout de rue. Les deux maintenant, ça va être entre guillemets du gâteau. Hein. Là, quand on a la tête comme ça au fond, c'est toujours plus facile pour limiter les écarts. Est-ce qu'ils vont continuer à persister pour rentrer? Là, il y a le demi-tour. On va vite voir. Et la relance à faire derrière, on a profité hein, pour s'hydrater. On l'a vu notamment avec Ivan Vassiliev. Alors, position de poursuiteur, hein, Vassiliev. On sait que c'est l'un des tout meilleurs avec son frère hein, sur le vélo, de toute façon. Ils sont en tête du classement cycliste. Et la jonction va être faite là, d'ici peu, voilà, ils sont tous les trois. Et l'attaque du Russe juste derrière qui va rentrer en premier dans le parc à vélo juste après la jonction. Il a contre-attaqué. Il se sert de son point fort, hein, il a raison. De toute façon, il sait très bien que s'il veut pouvoir avoir une chance d'arriver et passer le dernier relais avec un peu d'avance, voire avec Aurélien, c'est de prendre un peu d'avance à vélo. Donc là, il s'en prive pas, hein. Il prend ses précieuses 5-10 secondes et il est parti. Effectivement, hein, il va sortir en tête de ce parc juste derrière. Hein. Ça n'a pas perdu de temps non plus. C'est vrai que pour la course à pied, on les sent tout de même un tout petit peu plus affûtés, les deux Français. Il y a un léger poids supplémentaire pour le Russe. Ça peut servir à vélo. Et là, pour un pas aérien, bah ouais, ça se voit. Ça revient derrière. Et là, c'est vrai que le gabarit fait ressortir un petit peu les points forts et les points faibles. Hein. Très bon nageur, très bon rouleur. Derrière, deux athlètes beaucoup plus affûtés. Pour reprendre ton terme, là derrière, voilà, Aurélien Lebrun met vraiment toute la machine en route, très très bon coureur. Un coureur qui est capable de courir 30 minutes sur un 10 bornes en triathlon pour ceux qui connaissent un petit peu voilà, les temps en haut distance, donc c'est très très bon athlète. Mais on voit quand même que Ivan Vassiliev et Arthur Orso s'accrochent. Donc est-ce qu'ils vont résister? Est-ce qu'ils vont craquer sur le deuxième tour? Tout reste à faire. En tout cas, quelle bagarre, hein, quelle bagarre dans ce relais. On est au quatrième relayeur dans chaque équipe et ça se joue à la seconde près. Voilà, les trois hommes dans un mouchoir de poche qui échangent leur place selon qu'il s'agit de natation, de vélo ou de course à pied. On voit Aurélien là qui est sur la fin de sa deuxième boucle, qui n'a pas tardé à passer le relais.
Et voilà, là, donc le passage du relais est juste après cette petite bosse à pied. Voilà, et là, c'est le passage sur Thomas, dernier relais. Thomas André, avec son maillot vert distinctif, hein, le leader du classement général de ces fitness, juste derrière le Grappy Montpellier. Et les Russes pour Denis Vasiliev, c'est parti très vite. Ouah, ça va vraiment se jouer entre ces trois hommes, hein. Il n'y a quasiment rien. Ah, ils sont là. Ils ont déjà pas fait 50 mètres qu'on voit Denis Vasiliev qui voilà, première bouée, Denis Vasiliev qui passe à l'intérieur. Thomas André qui le laisse passer voilà, sur la partie extérieure. Et également l'autre frère Muller, donc du Grappy Montpellier, qui est également là. Voilà, et Denis qui a pris sa petite avance à la sortie de l'eau, hein, il est là, il a ses petites 5-10 secondes à la sortie de l'eau, c'est vraiment un très bel effort en natation. Quel partinage effectivement fourni par le Russe, parce qu'il était quand même parti troisième hein, de ces trois hommes, et là il est quand même bien devant sur ses 200 mètres de natation. Il va, le petit regard derrière pour jauger, est-ce qu'il il a le temps de souffler un petit peu avant de se saisir du vélo. Ah oui, là c'est pareil, là connaissant un petit peu l'athlète, des grosses qualités en natation, des grosses qualités à vélo, quelqu'un qui a une énorme expérience sur le circuit mondial, il connaît, il sait ce qu'il a à faire, je pense qu'il ne va pas les attendre, hein. On verra comment ça va s'organiser, comment les deux de Montpellier et Saint-Raphaël vont s'organiser derrière. Ça va être compliqué, il y a cette petite bosse d'abord à passer, on voit que Thomas a privilégié une combi maison natation hein, pour vraiment essayer de perdre le moins de temps possible natation, donc tout compte hein, encore une fois sur ce parcours. Le coup de pédale du Russe, hein, leader au classement cycliste de ces Fit Days. Ouh, c'est un peu dans le dur derrière. Alors forcément, hein, la portion est montante tout à l'heure, elle était roulante. Alors, on l'a dit, hein, des petites portions à 12%. Un peu casse-pattes et le Russe toujours dans sa position de contre-la-montre. Ouais, on sent que ça appuie sur les pédales. Là, il y a un gros braquet qui est tiré. On pense pas forcément à la course à pied derrière. On veut tout mettre à vélo, on veut prendre le plus bel écart possible. Là, voilà, le demi-tour est en bout de route. On voit que le trou est déjà fait, hein. On a déjà peut-être 20-25 secondes qui sont entre le premier et les poursuivants. Et le voilà au parc pour partir à pied. Mais attention, hein, attention, parce qu'au classement général, il n'y a que 26 secondes hein, entre Denis Vasiliev, cet homme, et Thomas André, son poursuivant. Le voilà, Thomas André avec son maillot vert de leader du classement. On sait qu'il est très bon sur la partie course à pied. Est-ce que... il a pas misé aussi un peu là-dessus. Eh, je pense que ça va se jouer à pas grand-chose parce que connaissant Thomas, c'est un très très grand coureur. Il a été champion du monde de duathlon U23 en 2012. Bon, on sait que le duathlon hein, répertorie les meilleurs coureurs de la planète dans le multisport. Donc c'est vrai que là, est-ce qu'il va arriver à refaire son retard? Ça va être compliqué parce qu'il y a quand même un bel écart. Mais ça va être à mon avis une belle cavalcade. Il a déposé Antoine Muller, hein. Thomas André, il l'a pas attendu, autant il a fait la course vélo avec lui, autant là, c'est effort solitaire, homme contre homme, il est parti Thomas André, il a décroché. On sent qu'il s'épargne pas, là vraiment il y a du rythme, on essaie de relancer après chaque virage, le jeune Muller derrière qui s'accroche aussi, hein. On sent que, et là on voit Denis qui est impressionnant de jour en jour, on le connaît très bon nageur et très bon rouleur, mais là on est vraiment surpris par son niveau à pied et là il lâche vraiment rien jusqu'à la ligne d'arrivée. Il va s'arracher en sprint le Russe qui franchit la ligne d'arrivée ici, assisteront en tête et qui offre la victoire en relais par équipe à l'équipe russe derrière Thomas André en sprint aussi, ça va se jouer à rien du tout. Et la troisième place pour Montpellier et Muller. Et là on sait que tout compte, hein. Toutes les secondes elles comptent, on est vraiment à la recherche de la moindre seconde. Et les Russes, le sourire, et oui, Denis qui s'impose et qui prend le leadership de ce triathlon avec 5 petites secondes d'avance seulement. Il le français Thomas André. Tout à fait, il y a une très belle équipe de Poli aussi qui fait une très belle course. Ah ouais, le classement par équipe. La Russie, 23 secondes d'avance sur l'Oupsos Saint-Raphaël et derrière, très belle performance effectivement. On n'a pas eu trop de chance sur les stratégies là, on a été un peu isolé, ça a été la course, c'est la spécificité de cette course, des relais par équipe, c'est un peu de la loterie, puis on est tombé surtout sur une grosse équipe de Russes, plus forte que nous au final, hein, les deux garçons, là, les deux frères Vasiliev étaient vraiment impressionnants aujourd'hui, on n'a rien pu faire. Bah clairement on est déçus hein, ça c'est clair, on est venu pour au fit, c'est pour gagner hein, c'est clair. Bon bah écoutez, c'est comme ça, c'est les aléas d'une course, on peut pas tout prévoir.
on a fait quelques stratégies, quelques machins. Bah, je pense qu'on s'est un petit peu trompé, comme a pu dire Thomas précédemment. On s'est un petit peu trompé sur la stratégie de course. On aurait dû placer peut-être changer l'ordre des garçons. Après, au niveau des filles, nous, ça s'est bien passé. Julie pose avec en deuxième position. Moi, je pars, j'essaye de prendre un petit peu d'avance. Et bon, déçu, hein. Un petit peu déçu, mais c'est comme ça, il y a demain encore. Classement général masculin avec Denis Vasiliev 5 secondes seulement sur Thomas André. Derrière c'est le frère Ivan Vasiliev qui a 1.22 et Aurélien Lebrun 34. Chez les femmes, Julie Nivois toujours devant, une 10 d'avance sur Mathilde Gauthier et la russe Zizina 1.32. Allez, est-ce que ça sera suffisant? En tout cas, il restera une étape demain. On voit par équipe que, en tout cas, Loupsol Saint-Raphaël est à 2.07 devant la Russie. Oui, Morgane, ça suffira. Tout va se faire demain. Hein. C'est vrai qu'on voit que les écarts sont très très courts. Donc sur un CD, c'est très long, plusieurs heures d'effort. Donc tout va se jouer vraiment demain. Allez, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain.